Mbokki rafetlu sen and ak sen télévision Lamfal ginnaw bu ñu nuyo ko ne ci turum ak santam bismillah sen émission Pentimi di émission bi nga xamne moy dalal kilifa yi nga xamne ñoo nekk ci réew bu Sénégal déggu ci walu politique ci walu kom ak lepp lo xamne doxal suñu réew Sénégal mbokki nak am nañu mbëkk tay ji dalal professeur Coumba Ndofé Ndiaye professeur Coumba Ndofé Ndiaye nak mom moy président parti bi nga xamne duppé parti rassemblement pour la justice la démocratie et le développement ñu nan ko RPJD monsieur le président ma ngi lay nuyo voilà monsieur le président mu melni nim ko waxe legui njitu parti nga parti bo xamne mu ngi fété ci walu l'opposition bi dañuy door nak ci li nga xamne mo jëm ci walu procès njitu bokku momel bu Dakarou di Khalifa Sall ginnaw bi nga xamé def nañu benen appel jamono ji ñu ubbi wat ko nan nga jangate procès bi de façon générale ma ngi lay ñaan nga may ma nuyu sénégalais yi may sétane di nuyu kilifa diiné yi nek Sénégal di nuyu donc sénégalais ak sénégalaises liñ may lacc dafa jaaxal sénégalais yépp ci naka parce que Khalifa Sall procès bi dañ ko don top ben caisse d'avance biñ ko topé caisse d'avance bobu mo am ay nit yu géré won caisse d'avance bobu ñeu taxaw né caisse d'avance bobu niñ ko géré ni ko Khalifa Sall géré ñom non lañ ko géré donc li tubab di wax né que né principe de permissivité manam doxalin bi donc melna ni nangul nañ ko ñangul lañ ko ñan nangul nañ ko ñi ko géré yépp mais ndax ñoñu nañ ko géré baxna ba tax mom mu wara géré nonu non xam nga lolu day indi benen débat parce que bu féké da nga yoré réew mën nga xol né ni ñuy doxalé baxul rupture ngay indi ci lolu parce que man li tax mënuma contre condamné Khalifa Sall man je suis contre les problèmes de détournement de deniers publics malversation financière je suis pour la CRI je l'ai aimé quand Abdou Diouf était là quand Abdoulaye Macky Sall l'a remise en branle j'ai dit que c'est normal parce que il peut pas y avoir des gens extrêmement riches dans un pays en voie de développement ça crée vraiment des frustrations et des niveaux de vie disparates ci wolof lolu dafa nekul lu jaadoul nit warul nek ci rew di liggéey di enrichir ci kaw yenen nit ñi donc lolu principe bobu man d'accord na ci mais xam nga so xolé commune ni ñuy doxé dafa am ministère bu len di contrôler muy collectivité locale wala ministère de l'intérieur autonomie de gestion yi commune yi am sen budget buñ ko approuvé day jaar ci préfet bi donc bu amé ay pratiques yu mel nonou autorité administrative bi dafa wara def injonction au maire d'arrêter telle pratique wa mais bu faténé aussi que malgré l'autorité administrative maire madame Djitu Bokku Momel bi nga xamné moy yor affaire yi mom lepp ci loxom lay jaar aussi dang ma poser question allez-y madame doxaline bobu ñu ngagne ba né jaadawul ñun ñep ñu d'accord né jaadawul mais ñom né nañ fi lañ ko fekk alors puisque ñom fi lañ ko fekk ci bir procédure bi xam nga nenañ le ben amna ben arrêt bu CDAO genné né dañu salfañé ay akam ci procédure bi ci forme bi forme bi lañu nek waxuñu le fond bi xam nga en droit dafa am forme am fond forme bi la la wax ba lañuy yegg ci arrêté ko waron na am au moins ben préfet bu Dakar né man nima gissé gestion caisse bi normalul bind Khalifa maire bi nekko ni ngi koy gérer baxul arrêté ko tu comprends en administration dafa am ay règles donc yow bu féké né tu es une autorité administrative tu vois que né nit ki mu ngi nek ci ben voie bo xamné tu estimes que lolu voie bobu baxul d'abord c'est voie bobu non le ñom ñi dan gérer non lañ dan gérer dang la dang ko wara def ben injonction d'arrêt
notifier ko par écrit ne ko li ngay def wala li ngay gérer baxul arrêté ko wa mais parce que xam nga lutax président doguma la sax amulé waaw su amulé waaw parce que conseil municipal bu voter budget approuver compte yi daf koy jox maire bi ok qui bi préfet bi ok ok préfet bi aussi apposé si signature lolu moy tax ñu né kon mairie bobu fonctionnement correct ok doguma la parce que da nga né depuis Mamadou Diop Pape Diop etc dafa ñu doxale ba tax tay momu doxale etc mais xam nga dafa tombé ak nguur go xam dafa taxaw né rupture dama bëgg doxalat lepp mo xam dello askan wi li ñu mom ak aussi gestion bu transparente est-ce que vous croyez pas que aussi nguur go wax lolu du won yonk à ce que mu top ben Khalifa Sall bo xamné na la ne yefi don doxé na lay doxé actuellement apparemment yow lima la expliquer depuis 5 minutes degloko non degnako je suis d'accord mais avec le principe de rupture da nga xaw insister tout timan am procédure bi gaay don doxalé rupture bi c'est-à-dire que rupture bi dañuy wara constater que quelque part xam nga boy def rupture da ngay def par exemple ben réforme nga né del désormais li ni la bëgg ñu défé gérer caisse d'avance ak lénen ak lénen lolu boko amul bu amulé nga teub rek wo ben maire né ko yow envoyé ko inspecteur général d'état ñu auditer ko fekk mom mu ngi doon utiliser pratique bobu parce que tout simplement ñom si c'est une compréhension de la caisse d'avance qu'est-ce que vous mettez à leur disposition, ils peuvent l'utiliser comme ils veulent. Ok, ok. Donc si je comprends parce bien. Parce que cette histoire de caisse d'avance là, même sous le régime de Abdou Diouf, on a un problème. Parce que le ministère est beurré. Dès qu'ils nous demandent de nous justifier, que nous devons nous justifier. Il a fallu que, dans le régime Abdou Diouf, que nous gagnions une note de service, notifier quoi, les gestionnaires de ces ministères-là, les comptables-là et autres, ordonnateur de crédit pour voir les que nous décorer justifier. Ok. Alors si nous commence avant même que nous réalimenter quoi. Alors donc ça a vraiment assaini les formes de gestion dans l'administration parce que Abdou Diouf a beaucoup travaillé pour assainir ça. Maintenant au niveau des collectivités locales. Donc collectivités locales il y a une caisse bobu. Caisse bobu c'était simplement Dakar. Dakar oui. Parce que tout simplement ceux qui se gèlent Dakar. La commune de Dakar, c'était une commune c'est une commune qui date de plusieurs siècles. Donc, l'autorité coloniale qui était là, elle avait à côté le gouverneur, il avait à côté le maire. Et le maire, c'était le pouvoir décentralisé. Donc, ils ont estimé que le maire bobu warone am ben genre budget pour qu'on permette aider la collectivité locale. Ok. Donc, si je comprends bien ces propos, de Gabougouani, ce procès est faux. Bon, en somme, ni moko gissé, en réalité, c'est pas mauvais que l'État demande des comptes aux gens. Mais forme bi, procès bi forme bi baxul. Forme bi mo baxul. Mo baxul. Deuxièmement, Khalifa Ababakar Sall a donné des gages. Parce que buñ lay top dara en matière de denier, il faut rembourser. Si vous avez l'argent, l'équivalent de l'argent en bien immobilier expert évalué ko nga joxe ko dañ la wara libérer mais le fait que cet homme là soit encore arrêté et qu'on ressorte encore ni guéné yenen excusez-moi ni guéné yenen délit de yoyu moy expliquer ben sorte d'acharnement. Alors que aujourd'hui, Sénégal soxla wul lolu parce que égg nañ ci ben niveau. Mais c'est comment j'ai un problème. Niveau de démocratie. Démocratie, OK, OK. Dañu wara permettre tout un chacun mu affirmer wu. Mais waruñu set nit ki diko woutal nuñ ko mëna jappé nan ko escroc nga, tu as fait ceci, tu as fait cela, alors que mom liñ koy topé 1 milliard 400 millions la joxé na ay biens équivalent à cela. war nañ ko mëna libérer mais est-ce que aussi nga yakar né rek warul mëna yomb ci yeen ñi nga xam yéne politiciens yi sa yéne nexé depp caisse ëlëk buñu leen jappé wala soor ñu top leen ngeen déllo wat est-ce que ko aussi du faciliter non attends man d'abord musuma gérer denier public non que je parle de façon générale voilà non attends ensuite man si suma programme dama un programme politique dama si insister si créer
insisté sur l'enrichissement illicite. Donc, man, de ce point de vue, je suis en phase avec le régime qui est là. Tu es en phase? Oui. Avec ce mais régime. Seulement en phase sur les lois qui demandent des comptes à ceux qui s'enrichissent. Je suis man, si je suis président de la République, je vais appliquer. Okay. Mais seulement, les gens qui sont beaucoup de top, les hommes politiques, les gens qui ont une activité privée, qui ont un détournement, ils ont un détournement de 1,4 milliard, ils ont un détournement. Ils ont un amna yakarne war nga ko meuna libérer wa baxna lolou peut-être ñi nga xam na ñoy yegu ci walu yoon ñu ci gëna xam voilà mais légui waaw maintenant bu féké né nak libérer woko c'est mu nek un homme politique nit ni dañuy ñort que né yow dang ko ragal politiquement motax nga bëgg mais vous croyez que Khalifa Sall pèse na fi ben poids bo xamné vraiment aussi dina titre le régime actuel parce que généralement sen argument yeb dañ koy tek ci acharnement politique pour les élections présidentielles. Non nekul ci contexte si contexte présidentiel motax ñu raisonner ni ñu bari ci opposition en tout cas lañu raisonner c'est-à-dire que xam nga Afrique en général ni exercer pouvoir souvent. Vous nous disiez un homme politique, vous savez, il faut constituer une menace pour nous. Immédiatement, imaginez-moi comment le mettre, l'éliminer politiquement. L'éliminer politiquement, c'est le mettre en prison. Lui créer un délit pour moi empêcher mon candidat présidentiel. Parce que si vous êtes en prison, vous avez un délit. Tu ne peux plus jouir de certains de tes droits. Cynique. Et moral. Et malheureusement, Koku, il y a un chef d'État Boukadan Def, Ahmed Cheikh Touré. Il y a un homme politique brillant, qui a approuvé, qui a fait un délit, fomenté un coup d'État imaginaire, mettre en prison. Bon modé, lolo, les New Banyu am Sénégal, parce que l'idal Khalifa Sall, bon dalon Macky Sall aussi, dans mon coin nyaoulou. Ok. Tu comprends? Ok. Donc man, beaucoup ma dara à Khalifa Sall, man comment nous faisons là tout de que signe, donc sous bok de am man, Macky Sall la bokel, sous ham de am man, Macky Sall la gan ham. Parce que nous tout partageons nous un verre de thé ou un verre de boisson pendant que nous étions à Fatigue. Donc kon man mom la gëna xam mo nga gëna xam voilà mais okay, voilà ouais dafa am ne fekk ne que ne boy def politique dang koy def ndax yalla ragal dang koy def ndax bëgg jëriñ ce réew bolé ci aussi ak ragal yalla bari na ci ñukoy wax mais lu jara xoral la voilà mbokk ñu fatale ni suñu gan di professeur Koumando Fendiaye di président parti bi ñu duppé parti rassemblement pour la justice la démocratie et le développement ñu nane ko RPJD voilà ñu ñëw légui un peu la ñëw ci benen parti bi ci ce yow en tant que leader chef de parti parti bi yang ko créé suma jumul ñata at ci légui 2016 voilà novembre 2016 novembre 2016 nga créé am récépissé waaw non, je suis récépissé novembre 2016. 2016, voilà. Mais je suis créé parti en novembre 2015. Voilà, comment tu as créé parti? Bon, je suis créé parti. Parce que c'est au moment où on parle de tour de parti au Sénégal. Je suis créé parti. Wow. Mais c'est parce que je me sens interpellé. Parce que ce que je vois, le problème que je vois sur Réumi, moi, je suis interpellé. Mais le problème que c'est à travers un parti que tu as réglé. Mais oui, parce que au Sénégal, nous avons vu l'affaire du pouvoir. Moi, dem, nous jox la norme tank, cède le jox le tir, permettre l'un d'enrichir ou de tirer ses gamins. Mais moi, t'as créé parti? Non. Ah, mais de créer un parti peut-être pour venir au secours des Sénégalais ou bien uniquement pour partir Sénégalais. Parce que moi, sous le bougon de l'eau. D'ailleurs, tu as mal posé la question. Non. Nous allons nous voir que
lutax nga tok ba waxtu wi waaw non vu ton âge ngay door créer parti non que... ça dépend peut-être c'est ce xalat la yow ce xalat la yow mais man sama question bi poser xamna fuma djim mom dama bëgg ndomo tank mo taxone may wut parti may wut ma créer parti kon donna am ndombo tank yagna xam nga ndombo tank du question d'âge ndombo tank meun nga am 80 ans sax di wut ndombo tank mais politique waaw politique nima ko gisse won dafa nekkone lo xamne sax dama ko sibone dama newone donc man buguma def politique parce que lima ci gis moy ay nit yo xamne dañuy sacc xaliss de pecaisse non li nga wax c'était dangereux parce que mëno nek ci langue politique di accuser tes des hommes politiques dañuy sacc xaliss mais non ah det mais non lolu mo fi am depuis 60 créé naka la ko lutax ki abdou diouf defar ko def ko waaw est-ce qu'il y a que des hommes politiques qui le font mais justement mais la plupart ñom ñoo am occasion manipuler les deniers publics parce que bo nekul bo yorawul yenn poste yenn responsabilité do accéder ci deniers publics kon yo kenn nga ci ñom les hommes politiques sa ci yo kenn nga ci ñom kon non moi je n'ai jamais géré non je veux dire yo da nga sétal sa bop yo bir la gui politique sénégal da nga sétal sa bop ñi ay sacc lañu dama né waaw lolu mo taxone waaw mané man politique duma ci duggu auparavant mais après suma xarit yu bari dañ may wax né que yow su féké né da ngay constater né réew mi amna lu ci yaxu et toujours yow suñ la woyé né le kay bok ci ben parti pour nga liguey changer lolu do ci dugg donc yow lan nga mëna apporter ce réew ah j'ai réfléchi parce que bu ñëpp né dëkk bi doxul parce que li ak li mo tax doxul mais damay croiser les bras teud suma kër mais du ay extraterrestres ñoy jëgé félé ñeu defaral na sa dëkk coréen ñom ñoo développer sen dëkk ñepp xam nañ né coré ñun bi ñéké xalé dañ doon lire le livre de Kim Il Sung ñu né coré ak sénégal pratiquement sen PNB ben la ñoyem c'était coré gis nga fimu toll ci monde bi je suis entièrement d'accord mais est-ce que liguey mo leen fa yob mais liguey ak politique du ben est-ce qu'on est obligé pour taxaw ce réew de créer uniquement un parti non mangi liguey mangi liguey di dimbalé suma réew ci fanne bi ma nek parce que j'ai créé mon institut de management avec 500 000 francs quoi que c'était propres affaires mais privé, bien sûr qui n'ont rien à voir avec les sénégalais ci yu fi liguey ouais je suis entièrement d'accord mais comme lolo concerne étudiants yo xamné ñu ci liguey waaw ñu ci jang di ci jëriñu waaw donc former na ay aujourd'hui ay milliers de personnes yo xamné damay tok ñu dem fenn ñu né ma sa école la jangé deng alors lolu déjà liguey la parce que chaque sénégalais limuy yëngu bu ci défé lu bax sénégal day am comme lolu déjà c'est important donc man je ne suis pas douma homme politique bo xamné dama yakar ci nguur gi wala ci ay poste pour dund non dama liguey kuma xamné liguey la xam c'est suma liguey ci la tédé ba aussi suma politique aussi suma xaliss lay guenné di jox di dimbalé suma ay militants ok tay ji nga dugg ci politique créer sa parti nek ci opposition bi lan mo waral lolu pourquoi tu n'as pas préféré te ranger derrière le régime mais tu as préféré te ranger derrière excellente question waaw pourquoi xam nga lutax waaw amna suma ben rak bo xamné dafa ñew suma kër mu néma grand pourquoi la contre ñun mané ko non contre ma len parce que yow muy Macky Sall muy Mariam Fay Sall yeen ñep suma ay rak ngeen wala suma ay jarbat donc mënuma len contre ñoo bokk dëkk Fatick tay Macky Sall bu ñewon suma kër Fatick su ko nexé fanane fofu du am ben dëkk nak mu daay mess ci dina metti ci nga xex président dé mais problème bi dana metti ci lolu problème bi du contre nit wala bañ nit wala bëgg nit question de vision la vision donc vision président doy la dafa dess ci dess ci naka dafa dess ci fan yu bari ci yenn fan waaw lolou motax nekuma militant APR wa ci yenn fan
C'est-à-dire que moi, j'ai un projet depuis que j'étais enfant. J'étais curieux parce que j'ai vu des bananes qui sont venues en Côte d'Ivoire. J'ai interrogé mon papa. Excuse-moi une parenthèse. Mon papa aussi, mon père est aussi, était un chef de canton. Nous avons une relation, il y a la main comme une relation. Donc, au fouet Boigny, nous avons une bille de la nous rendre visite sur nos papa. Il a fait une heure de temps avec nous. Bon, il était président vers les années 63 en visite privée. Ding. Mais pourquoi nous avons une banane? Nous avons une banane d'une courbe ici parce que de tao. Mais que non. Casamance ak Tamba zone yoy mën na taw bo xamné banana mën na ci ñor mais ñun on est dépend dañu toujours dañuy xaar banana yi joggé Côte d'Ivoire wala mango yi joggé Mali parce que ya mango yi doon am ñun fi ak mango yi doon am Mali joggé Mali c'était différent également koku ben la ben constat la donc man bima jidoon am ay 7 ans 6 ans dama amone dama doon poser wu ay problèmes de développement yo xamné hein comment ça exactement lutax mako done poser mais je me disais toujours que dañu warona am ben indépendance dans ces domaines là ouais. Donc buma magué j'ai réfléchi toujours autosuffisance alimentaire tiep bi aussi dama done poser des questions pourquoi ñukoy importer ils sont combien de régimes à dire que nous allons régler ce problème jusqu'à présent il y a pas de solution mais terminé bi may poser question yoy wow. Alors mon père me dit mais parce que tchèb bi buñ ko importer ça ne coûte rien à l'époque ça nous coûtait 5000 francs le sac de 100 kilos. Donc jarul ñu diko bay donc on a eu un ingénieur bo xamné il a lancé le projet du SAED qui s'appelait Karim Sidibé de Kédougou alors bu jangé Chine il est décédé c'est le premier à dire que le Sénégal peut au niveau de la vallée irriguer faire du riz être autosuffisant d'ici peut-être 20 ans, 30 ans. Et Senghor l'a aidé à travailler en créant la SAED. Donc, question yoy, man daf ma ko daf ma mousse ñor. Ñor, mu nekk xalé. Donc, bu may def politique aussi, dama né bu may def politique damay changer mode de fonctionnement bi, li nga xamné mo tax man mënu mu nekk APR. C'est parce que le président Sall di def baxna, mais c'est insuffisant pour man. Mais est-ce qu'il y a les, est-ce que les aussi insuffisance bi oh, d'abord insuffisance, oui. Moi j'ai dit premièrement le budget de fonctionnement de la présidence pour moi c'est extrêmement élevé dans un pays comme le Sénégal et j'ai dit que si on faisait une ponction de la moitié de 50% de ce budget là ça pourrait peut-être aider à nos projets de développement parce qu'il faut que mais n'oublie pas qu'à travers le budget présence de la République, il faut financer le programme familial, bourse familiale et autres là, il fallait éduquer. Écoutez, moi, wow. Je ne suis pas dans le plan Sénégal émergent. Je suis dans le plan de réforme pour le développement wow, parce que du vous avez, Sénégal. Parce que voilà, parce vous avez créé un programme d'ailleurs, voilà, PRD, si je ne me trompe voilà, pas, le programme de réforme pour le développement dit, du Sénégal. Pourquoi j'ai dit wow. 40%. Yeah. Parce que les problèmes de l'éducation, les problèmes de la santé yeah. qui nous assaillent. Nous fiagle. Mais non, écoutez, nous. Vous savez, nous fiagle. Bon, nous voyons, nous fiagle. Non, nous fiagle. Nous fiagle, t'as connu un job. Wow. Parce que quand tu me parles de Ablaye Wade, pour moi, c'est le passé. On ne doit pas regarder dans nos rétroviseurs. Ouais, mais c'est à travers le passé qu'on pourra construire l'avenir. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, si on veut avancer, de nous rôles sur le contexte. Qu'est-ce qui est encore à l'origine de nos problèmes? Mais si on est le problème, nous avons et ce qui est de l'oubès, mais également de l'oubès. Mais il n'est pas aussi quand même indiqué aujourd'hui que nous pouvons régler les problèmes enseignants, nous pouvons régler les problèmes opérateurs, les gens de la santé. C'est nous d'abord ce qu'on appelle les objectifs de développement du millénaire. Ok, ok. Dans la dernière de développement du millénaire. Ok. De nous né, il faut de bonnes ressources humaines. Ok. Une bonne formation de qualité, un système éducatif viable,
pour développer un pays. Dans la ligne réponse, on sort. Oui, madame. Éducation, éducation, santé, éducation, santé. Maintenant, que président, je prends 50% de mes ressources du budget, 84 milliards là actuellement, mané 42 milliards, me jël ko jox ko éducation ak santé. Mais duma len ko jox nonou damay wax ne que revendication yi nga xamné gouvernement bi néna mënu ko satisfaire dama koy satisfaire. Mais est-ce que vous croyez que seuls les moyens financiers peuvent régler le problème? Parce que suma déggé ngay wax dafa melni problème ko par régler. Est-ce que des fois aussi do xawa manam xalat yu ñu mel du nax sa bop yakarne rek ko par rek moy régler problème. Non, attends, c'est-à-dire que du copar rek moy régler problème. Voilà. Mais copar bok na ci régler problème. Ouais. Parce que nit ki boko dey liguey lo mu am 50 000 francs de salaire. Ngéné ko mu am lidiasam am ngéné ko dama lay jox 50 000 francs de salaire nga def sacrifice pendant 3 ans. Nga def sa examen bo amé CAP me reclasser le comme enseignant titulaire. Nga nek professeur am ce bac plus 4 ou le bac plus 3 ou le bac rek plus 2 ñu recruter la ya xam moins secondaire nga nek ou le secondaire extra ñu ne le dinañ la fait 80 000 motivation mais bo amé ce KSTP ou le SKM ou le SKS ñu reclasser la nga nang ko tok say morom di liguey li ñuy liguey ngay liguey ñom ñu leen di fay ay 300 000 yow ñu lay fay 80 000 nga dem ba am ce diplôme yoy ñu ne la légui xaliss amul ci caisse bi pour reclasser la alors lolu la né man train de vie état bi dafa élevé duma jël ko xamné mu ngi ci all bi di jangal suñu doomi mu di ko fay 80 000 gis ben way bo xamné dañ ko élire député mu am légui 1 million de francs am 1000 litres de carburant 1000 litres de carburant bob boko annuler boko supprimer rek meun régulariser fonctionnaire bobu nek situation bo xamné tu crois que c'est tu crois pas aussi qu'ay droit la ci ñom ñom député yi parce que aussi ils représentent non 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 attendez c'est des élus du peuple élus du peuple mo représenter ñoo du man waaw. Alors pourquoi ñom nga mettre len ci ay conditions yi précaires est-ce que dañu aller sa bop mo liguey conditions précaires waaw waxuma les privilèges qu'ils ont waxuma le né dama koy dindi les salaires qu'ils ont waxuma mais ils en ont de trop pendant que c'est disparate pendant que qui mu ngi jangalé li muy liguey bi muy def liguey député gënuko important un enseignant un médecin yow bo fébré tay ci all bi hein amul infirmier amul médecin da ngay dé ñaata nit ñoy dé ci all bi parce que tout simplement buñ len di transférer sen village amul sen localité amul centre de santé il faut que nit ñi raisonnable aujourd'hui tay réalité bi nit ñi di def ci politique bi mu jaral len lu nek c'est parce que privilège nek ci fonction yi la mais bu fekkone yow député hein on te donné tout juste li nga xamné raisonnable na 500 000 francs mais pas nit mo meuna mo consommer 1000 litres carburant mais ding kay monnaie ci station essence non ñu bari ci ñom lañu def oui mais c'est ça c'est ça ding kay monnaie ci station essence def ko khalis diko consommer alors lool la lay wax ne que principe de fonctionnement yoyu motax man mënuma soutenir mon jeune frère Macky Sall mais joté wu dara defuma dara wa legui sank ñu won ci walu santé bi son ton jeune frère son excellence le président Macky Sall créé na ci walu santé couverture maladie universelle ci walu manam éducation bi gis nga temps yi passé protocole bi nga xam dox na digënté enseignant yi augmentation yi am ñu war ko def par tranche extra extra vous croyez pas que c'est des solutions aussi mais c'est des solutions qui viennent pour la couverture maladie universelle mais c'est salutaire parce que ñun biñu juddo pour nga buñ la jibinalon ordonnance ne la demal jëndi garab cela veut dire que yow peut-être tu étais condamné ou tu n'étais pas loin d'être condamné donc du temps de Senghor tout était subventionné bo demé il y avait une pharmacie dans tous les dispensaires et les hôpitaux du Sénégal médecin bu la bindalé garab da ngay dem ci pharmacien bi nek ci biir dispensaire bi mu jox la garab so dougu ci do fay ticket do fay dara tu viens en consultation d'une consulte l'engrais. Nous l'y agna.
Alors, donc, si lui, fait une couverture de maladie universelle, ouais. Donc, je dis que de fait, encore lu meilleur que ça. Mais on va meilleur que ça. Yo. Mais également, si je te dis d'abord, ouais. Tenez, tous les projets, ouais. Moi, def, d'abord, je vais reconduire. Dans reconduire ces projets. Ces projets-là. Ah, parce que je me base sur le principe de continuité de l'État. Okay. Mais en sus de ce qu'il fait, on va augmenter pour que aujourd'hui, ni nga xamné ñu nek acteur yi nek dans l'éducation di Joy, acteur yi nek dans la santé di Joy, ñu mëna safar seen ki mieux. J'ai dit aujourd'hui, enseignants ñu ngi demander 100 000 francs indemnité de logement. Mais il y a des fonctionnaires sénégalais qui n'en ont pas. Alors donc, dans mon plan de redressement du Sénégal, de manière à élargir à tous les Sénégalais fonctionnaires. À tous les Sénégalais fonctionnaires. Mm-hmm. Parce que les acteurs de la santé... Par quel moyen? Mais c'est ça que j'ai dit. Ouais. J'ai dit, je commence par réduire le fonctionnement de la présidence, de mon budget. Et de l'Assemblée. De l'Assemblée, et je supprime le ACCT que gère mon frère, mon grand frère... Tanorgien, que je salue en passage, parce que c'est mon magle. Il a participé à ma formation, Bouinex Nuker, Defmadan Djangel, Dimodef Aïe Calcul Aïe Dictée. Donc, je sais que je suis un homme. Mais je suis un homme à cette terre, mais par principe, dans mon projet, à cette terre, bon. Donc supprimer parce que c'est une institution de trop. Mais si je comprends bien. Alors monsieur, ouais. Donc cet argent là, ouais. On n'a pas besoin de regrouper ces conseillers là dans les localités, dans les collectivités locales à Dakar pour régler les problèmes des collectivités locales. Vous allez dans les collectivités locales, vous allez voir des agents, yo xamné fay ñu leen amuñu salaire. Ok, ok. Alors maintenant vous prenez une ou deux personnes dans les collectivités locales là. Nga indi len à Dakar jox len ay privilèges mais ça ressemble à quoi jox len auto jox len salaire mais amul sens. Ouais, je sais. Il vaut mieux donner des dotations. Des dotations. Attendez. Ouais. Des dotations ne jox ay dotations commune yoyu commune rurale commune je ne sais quoi pour leur développement. OK mais monsieur le président nga balma basama setlu ton programme yango visé tout ces mois ci walu ci puiser peut-être à travers des institutions du Sénégal. Non, je veux dire, c'est ça ils font à travers des institutions du Sénégal qui fonctionnent, par exemple. Parce que, je ne sais pas pourquoi, le niveau d'endettement du Sénégal est inquiétant avec Ablaye Wade, avec Macky Sall et avec Ablaye Wade. Parce que Abdou Diouf, son régime a été 20 ans de régime d'austérité. C'est nous qui avons payé les dettes du Sénégal. Jusqu'en 2000, il n'y a pas eu d'augmentation de salaire. On a travaillé comme des serfs, mais quand même, on a pu avoir un cash flow, une capacité d'autofinancement de 1000 milliards dans les trésors publics. C'est ça le mérite de Abdou Diouf. Il nous a laissé 1000 milliards, il n'y avait plus de dettes. Avec Ablaye Wade, il y a un niveau d'endettement égal ou supérieur à 3000 milliards. Avec Macky Sall, on est à 8000 milliards. Vous vous rendez compte? Et le Sénégal n'est pas encore émergent. Donc ce système, moi, ne plus faire de crédit. Madame, jamais do abati khalis. Non, je ne dis pas do abati khalis. Ah. Mais d'abord, tu regardes, tu as le cash flow. C'est-à-dire qu'il faut réduire ton train de vie. Tu peux puiser d'abord sur toi, sur ce deuk, à une source. Yo xamné du bok ak source de financement extérieur. Mais source, parce que source de financement extérieur, ouais, l'endettement, c'est un transfert de pouvoir d'achat. Donc, aucun pays ne peut se développer sans. Tu vois la fille. Ben pays, mounoul développer où c'est du lep. Mais donné, mounoulo aussi dundu ci lep rek. Da ngay liguey. Bu paré aussi mënulo di lepp bu paré am ben train de vie bo xamné defa reuy bo xamné tay sénégalais sen élite politique bi sen train de vie mo reuy c'est-à-dire que so xolé
ministre français ou le ministre européen ak sunu ministre est-ce que sunu ministre gënuñ leen sa demine en tout cas amna ben phrase bu ma dégg bu Macky Sall wax bu ma irrité mu né j'ai donné à Abdoulaye Wade des indemnités une pension supérieure à celle de Sarkozy. Mais comment un pays sous-développé peut-il donner autant d'argent à son ex-président? Mais parce qu'il le mérite tout simplement. Non, ce n'est pas une question de mérite ou de ne pas mériter. Ouais. Mais c'est une question de niveau de vie, de niveau de productivité d'un pays. Madame, pays bi ligué amul dolé bobu waru mëna joxé autant d'argent. C'est-à-dire que yow mënulo am salaire 100 000 francs ba paré bëgg dundé 200 000 francs. Est-ce que l'on raisonnable? Raisonnable. Vous avez un salaire de 100 000 francs, vous avez peut-être 80 000 francs et 20 000 francs, vous avez économisé. Pour dire que c'est nous développer ce adulte. Nous avons un cœur, nous avons fait. Mais vous, pays sous-développé, vous avez un train de vie égal ou supérieur à un pays développé. Okay. Mais ce n'est pas rationnel. Ce n'est pas rationnel. Si vous avez un gang, vous avez un def ay études ñu poussé pour xamné lolu mënul développer. OK, c'est bon, voilà. Pour ma légui président ñu laisse un peu ci walu programme bi, peut-être ñu dem ci walu rubrique bu mujju bi ndax yaangi doon développer sank ba légui en quoi ce programme bi ñu nane PRDS, du programme de réforme pour le développement du Sénégal. Aussi, mais aussi PRDS. Ouais. Limuy xexé. Wa. Sacc bi moy ñé sacc yow ya di japp ba légui kaddu sacc ah si non. limuy xexé sacc bi ak détournement bi koku du rek ñi nga xamné ño nek ci nguur gi ñepp la amna ci ño xamné ñu ngi ci yenen fann mais tay so gissé les procédures de marché d'octroi de marché public le gré à gré est à 50 millions ñun dañu né buñu nekké président de la République 500 000 francs lañ koy indi parce que nit warul mëna jox nit marché 50 millions mais suma déggé ni parce que lolu corruption lay indi mais suma déggé ngay waxé yow ton système corruption lay indi suma non parce que un ministre qui te donne un marché de 50 millions tu as tout de suite le réflexe de lui donner 10 millions pour que mu joxat la benen marché 50 millions alors que ministre wala kenen warul am pouvoir joxé marché bu toll non 500 000 francs fourniture de bureau lolou la wara meuna am en urgence marché bu meuna joxe li ci dess appel d'offre la wara nek appel d'offre ba legui ci la nek mais appel d'offre généralement dafa am façon bu ko doxale non mais agré bo defé comptabilité publique man dumay jang comptabilité publique il y avait un le comptable matière de la primature monsieur Baldemo ñu don encadré deng en 98 hein xawma 97 alors le gré à gré était plafonné à 250 000 francs. Alors, à partir de 251 francs, nga dem def appel d'offres. Mais c'est sous le régime de Ablaye Wade qu'on a enlevé cette partie-là, permettre le gré à gré à 50 millions. Ok, à 50 millions. Okay. Et aujourd'hui, la conséquence, on a vu un niveau d'enrichissement illicite inexplicable. C'est ce qui explique aujourd'hui que le régime dit, nous acharnons aussi qui suba mu baye koko dem ci kelé du xam sax kan la wara poursuivre voilà ok kan la wara poursuivre okay. Et qui poursuivre mon si bopam est-ce qu'il doit pas être poursuivi on ne sait même pas le président Macky Sall je sais même pas non dis-moi dama né ma dang ko bolé ci bir ñi nga wax ñi nga tuddu sax dama né duma jaar sax ci tour mi ñi nga tuddu sax dang ko bolé ci bir dama né je me pose cette question parce que do xam kan lañu wara poursuivre at kan lañu wara poursuivre parce que les gens sont enrichis de façon fulgurante que ça soit le régime que ceux qui sont que ça soit c'est beaucoup opposition voilà c'est beaucoup opposition demandez les gens rec, qui ont utilisé qui ont manipulé les deniers parce qu'on leur a permis de s'enrichir c'est de ça la non quand on t'autorise à donner un gré à gré à 50 millions mais c'est la porte mais c'est l'autorité publique toi aussi mais justement mais c'est la porte ouverte à la prévarication à la concussion à la corruption parce que celui qui à qui vous donnez deux marchés de 150 millions. Mais il va pas te laisser comme ça. Il va te donner tout de suite 5 millions, 10 millions. Si vous l'accumulez avec 10 personnes tout de suite, vous avez de l'argent. Et maintenant, mais c'est de l'argent que vous ne pouvez pas expliquer. De toute façon, que vous ne pouvez pas de toute façon, monde la bo xamné du ko gocc.
vous pouvez juger actuellement parce que monde la bo xamné li may expliquer ni ben monde la bo xamné yow dugo go ci peut-être un mécanisme le ay mécanisme dugo go ci ay mécanisme donc yow li nga mën tay ji moy xeyna di nga cette façon de faire mais nek go ci système bobu même suma ci dugué même suma ci dugué d'abord dama la né déjà man si je serai si je suis président de la république damay indi gré à gré à 500 000 francs CFA. Donc ça veut dire que li ma lay wax ni ce n'est pas réalisable. Et si je te disais 500 000 francs. Et si je te disais que si je te disais que si je te disais que professeur Koumando Fenn Ndiaye étant un opposant bokul ak euleuk un professeur Koumando Fi qui sera président. Tu me dis suma nekkon président. Mais parce que là c'est sous mon programme. Non, programme ay kayit la monsieur le président. Kayit la big ak feuy wala vous donc quand vous encouragez pas. Ah merci. Non, j'encourage pas. Quand on vous dit. Non, généralement c'est la personne généralement. Non. Parce que li wax ni non li wax ni li wax ni le Sénégal va changer. Tu sais, le Sénégal va changer. Parce que pourquoi le Sénégal va changer? Moi que génération bi di ñew. Le taux de chômage, le taux de chômage dans le l'enseignement supérieur, dans le moyen, le taux de diplômé chômeur est presque à 48% aujourd'hui au Sénégal. C'est nous avons un bac plus 4, nous avons un bac plus 2, bac plus 3. Et nous, pour nous donner un travail, il faut que réformer le pays. Tu comprends? Il faut que réformer le fonctionnement. Pour que les gens puissent travailler. Si les gens sont venus, il faut qu'ils travaillent. C'est les gosses qui avaient 14 ans quand Macky Sall prenait le pouvoir en 2012. Ils vont avoir en 2019 14 plus 7 ans, 22 ans. Ils vont avoir leur master en poche. Il faut qu'ils travaillent. Il faut qu'ils travaillent, tout à fait. Donc voilà. Maintenant, pour leur donner du travail, il faut forcément réformer le mode de fonctionnement. C'est comme quelqu'un qui vivait avec un train de vie assez élevé avec deux enfants, trois enfants et il se retrouve avec une famille. Ok, voilà, le temps. Monsieur le Président, élection présidentielle, vous êtes candidat à l'élection présidentielle de 2019. Oui, j'ai déclaré ma candidature. Et je travaille pour cela. J'ai envoyé à tous mes militants des actes de... sous ma candidature, Wahnako, sous mon militant, il est bien parce que pour créer un parti, il faut exercer le pouvoir. Et il y a une disposition pour être candidat. De toute façon, sous mon parti, 3 ans là, mais il existait partout au Sénégal. Partout au Sénégal, il y a des militants. Non, pour moi, tel ou lui, je sais tel ou tel. Moi, sous mon militant, il y a 2019. Nous avons une signature, nous avons comptabilisé sur mes signatures parce que nous demandons le parrainage. Man envoyé déjà sur mes militants sur le terrain pour signer. Si nous signons, nous avons ce que nous avons. Pourquoi nous avons? Nous avons. Mais en ce moment, je envisage que nous avons. Base de la base. Je sais que les Sénégalais, ce que je vous propose, qui voulait intéressé ou pas. Ok, c'est bon. Et en ce moment, je top. Jerejef professeur amon nañu mbekté lol dalal la ci émission pentimi sa kaddu gu muju jëm ci mbokk téléspectateur yi waaw bon mbokk téléspectateur yi ma ngi leen di nuyu di leen taggu di leen wax né dama ñëwoon waxtaan ak yeen pour wax leen effectivement nima gissé Sénégal ñaanuma kenn nak xébuma kenn vraiment que suma ci waxé lo xamné amna ku ci giss lu ñaaw nga djéggal mo jerejef mbokk yi doon sétane sen télévision Lam Fall rawatina sen émission pentimi ñu doon dalal professeur Koumando Fenn Ndiaye di président parti bi ñu duppé parti rassemblement pour la justice la démocratie et le développement ñukoy gërëm diko sante bu baaxa baax di gërëm di sante équipe technique bi nga xam ñoo japp ci liggéey bi mbolam sen cameraman yi preneur de son yi réalisateur yi sen émission pentimi ci benen numéro jere ngeen jëf salam